Good morning, brothers and sisters. Welcome to Bonjour, Morning frères et sœurs. Parent Devotion. Today is a special day. Let's start off by offering a greeting about our heavenly parents. On va commencer par les salutations aux parents de vos parents. Kumbe. Baro. And now to lead us through the family pledge, I'd like to invite our Reverend Lohan Stevens. Donc je vais inviter le Reverend Lohan Stevens de nous guider dans la promesse de famille. Chaneogok Juin. 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본향 땅을 찾아 본연의 창조 이상인 지상 천국과 천상 천국을 창건할 것을 맹세하나이다. 2. 천혜어극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참 부모님을 모시어 천주의 대표적 가정이 되며 중심적 가정이 되어 가정에서는 효자, 국가에서는 중심, 세계에서는 성인, 천주에서는 성자의 가정의 도리를 완성할 것을 맹세하나이다. 3. 천혜어극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 4대 심정권과 3대 왕권과 황족권을 완성할 것을 맹세하나이다. 4. 천혜어극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님의 창조 이상인 천주대 가족을 형성하여 자유와 평화와 통일과 행복의 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 5. 천혜어극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 매일 주체적 천상세계와 대상적 지상세계의 통일을 향해 전진적 발전을 촉진화할 것을 맹세하나이다. 6. 천혜어극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 하늘 부모님과 참부모님의 대신 가정으로서 천운을 움직이는 가정이 되어 하늘의 축복을 주변에 연결시키는 가정을 완성할 것을 맹세하나이다. 7. 천혜어극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 본연의 혈통과 연결된 위하는 생활을 통하여 심정문화 세계를 완성할 것을 맹세하나이다. 8. 천혜어극 주인 우리 가정은 참사랑을 중심하고 천혜어극 시대를 맞이하여 절대 신앙, 절대 사랑, 절대 복종으로 신인의 일체 이상을 이루어 지상 천국과 천상 천국의 해방권과 석방권을 완성할 것을 맹세하나이다. Thank you very much, Reverend Lohan. And now to open us in prayer, I'd like to invite up Reverend Shimeo, Dr. Shimeo. Je vais inviter Dr. Shimeo pour nous donner la prière d'ouverture. Haneul Bumeonim, 오늘 아침도 모닝 디보션을 할 수 있는 것을 대단히 감사합니다. Heavenly Parent, thank you. Parents Céleste, merci beaucoup pour cette grand moment de la dévotion matinale avec Dr. Young ici en Amérique du Nord. This morning again, we really want to be humble. Voulons être humbles ce matin encore afin que nous puissions recevoir ta parole, ta direction. Parents Céleste, nous avons besoin de ton aide constamment parce que nous devons restaurer tout dans le passé, dans l'histoire du passé. Nous avons continuellement péché contre toi et ta volonté. Comme nous savons de point de vue de l'histoire, beaucoup de choses tragiques se sont passées. Beaucoup de choses sont passées contre toi. Parents Célestes, nous voulons complètement nous sacrifier
afin que tout le passé puisse être libéré, ainsi que ton cœur de souffrance soit complètement libéré. Nous voulons que tout notre niveau de piété filiale, afin que toutes les histoires passées puissent être indemnifiées, nous voulons vraiment le faire seulement parce que nous savons que tu es un Dieu d'amour et les vrais parents. Merci beaucoup pour cette dévotion matinale. S'il te plaît, sois avec nous, que nous soyons de notre moment d'être avec toi en ce moment. J'aimerais offrir cette prière au nom de Théodore Chiméon, famille bénie centrale. Ah, Dieu. Dieu, Docteur Chimtense, comme ça, Mnida. Donc, avec une jolie femme, merci beaucoup. Merci, Docteur Chiméon, pour ta prière d'ouverture, frères et sœurs. Maintenant, moment de votre point d'appréciation. Prenez les prochaines minutes pour partager vos gratitudes. Donc, les chambres de partage, s'il te plaît. Partagez quoi que ce soit qui se trouve dans votre cœur.
Welcome back, everyone. Yeah, just like content de vous revoir tout le monde. Luckily, yeah, most people joined the gratitude donc, sharing today, beaucoup, so I'm happy we all donc, did. Joignent le point de gratitude aujourd'hui. I had the opportunity to be with the Laurent. J'ai eu l'opportunité de voir le couple de Morale de Ohio et Eva de Maryland. J'aimerais d'abord appeler le couple Morale. Partager le point d'appréciation ce matin. Merci, Fred. C'était un plaisir d'être aujourd'hui avec toi pour la première fois. Donc, Thanksgiving a toujours été mon jour de fête le plus glorieux. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à Connecticut avec tous mes parents à l'Est, New York, et Connecticut, Massachusetts, New Jersey. Maintenant, Californie du Nord et en Floride, je suis toujours content de rencontrer et passer le temps avec eux. Donc maintenant, ici, je passe mon temps avec toute ma famille, c'est en Ohio, avec ma femme et ma fille. Merci. Ils sont très spéciaux pour moi, ça m'a gratitude aujourd'hui. Merci. Good morning, brothers and sisters. Bonjour, good morning, frères et sœurs. Bonjour, Dr. Young. Yes. Bonjour, yes. Happy to see you in Kentucky. Bonjour. Saturday. Donc, merci d'être à Kentucky la fois passée. Donc, ce que j'ai partagé, ma gratitude sur les célébrations de Thanksgiving. This kind of Thanksgiving, because without donc, that history, la fondation de ce moment de remerciement, donc sans ce fondement, on n'allait pas célébrer Thanksgiving. Donc c'est à cause de la foi des pèlerins qui sont venus ici. Donc, ils ont abandonné leur nation pour venir à Amérique pour trouver Dieu. Donc, c'est pour ces raisons que nous savons ce jour de Thanksgiving comme un remerciement. Et donc, je suis remerciant pour ce pays parce que cette nation est bénie par Dieu. Vous pouvez connecter État après État. Ça, c'est une grande connexion. Donc, je suis reconnaissant pour cela. Nous pouvons exercer notre liberté de la religion. Donc, c'est ce dont j'ai partagé aujourd'hui. Ça, c'est une gratitude symbolique. Donc, célébrer Thanksgiving, c'est dire merci beaucoup, parents célestes, merci les vrais parents. Donc, c'est une nation où la religion est libre. Merci pour vos jolis partages. Pierrot. Donc, ta calvitie, si tu es en train de briller, vraiment. Parce que Gloria t'aime beaucoup, frères et sœurs. Donc, remercions les parents célestes, les vrais parents, nos ancêtres, nos parents, nos frères et sœurs, nos relatifs. Merci beaucoup. Merci, le couple moral. Donc, maintenant, all too familiar from our sub-regional directors and secretary general. Donc, si sont familiers dans ma sub-région. Share with us your gratitude points this morning. Wow. Rachel Fred, you know my heart. Just now I thought about her. Donc, Fred, tu connais mon cœur. Donc, j'ai pensé à propos d'elle. Yeah, bonjour. It'll be through Zoom or through the Facebook or so I was like, okay, parfois, je suis souvent à Facebook. Mais j'ai dit que pourtant que je dois aller à Zoom avec tout le monde. OK, c'est grand. Bonjour tout le monde. Donc, je pensais à propos de cette question de Thanksgiving. Donc, j'apprécie Dieu, les parents, la communauté. Mais pour moi, je suis vraiment reconnaissant que tous les jours, j'ai l'opportunité de faire la différence.
faire la différence dans ma communauté en tant que seconde génération au Midwest. Donc, je fais la différence là-bas. Je peux faire la différence. Donc, je peux faire la différence dans ma famille, mes enfants. Donc, cela me donne la possibilité chaque matin de faire une nouvelle différence. Donc, je suis vraiment reconnaissant d'être donné cette opportunité. Donc, j'aimerais apprécier mon mari qui est dans la situation de leader. Donc, il se déplace. Donc, très soudainement, il dit que nous devons faire ceci, nous devons faire ceci. Donc, mon mari dit que je dois partir, je dois quitter, je dois aller. Donc, parfois, parfois, il se déplace pour 3 mois. Donc, j'aimerais vraiment l'apprécier en ce moment. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, Perle. Qu'en est-il à propos de New York, le nouveau bébé? Oui, elle est très contente. Donc, elle n'est pas en train de pleurer. Merci, merci. Donc, j'apprécie ta famille. Ta famille est très spéciale. Tes parents, David, tout le monde a joint la dévotion maintenant. Donc, c'est une famille très dédiée. L'une des familles exemplaires. Merci beaucoup, Pelé. Merci pour ton passage, Jessica. Merci. Peut-être que je dois aller à Mushikin. Donc, préparez votre cœur maintenant pour recevoir la guidance de Dr. Shok Shin Yong. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, clergé, ambassadeur de paix, donc joyeux jour de Thanksgiving. J'espère que vous avez un joyeux temps avec vos familles. Aujourd'hui, j'aimerais parler à propos du titre « Les chemins vers un monde céleste unifié » du contenu de notre mémoire de notre vraie mère. S'il te plaît, j'invite Heavenly Honey de lire. Puis le 18 décembre 2019, à l'apogée de mon concours cosmique de Canaan de 40 jours pour l'établissement ferme de Tiangongu, les clergés du monde entier se sont réunis pour établir la conférence mondiale pour le leadership du clergé. À ce stade, je me rends compte que même si tout le ciel était en papier et toutes les mers en encre, il n'y en aurait pas assez pour enregistrer ce parcours larmoyant. Nous avons tous surmonté des limites physiques et continues, même si nous sentions que nous pourrions nous effondrer. Ce fut un parcours victorieux par lequel nos espoirs et nos désirs ont été exaucés. Enfin, l'ère de la nation céleste et du continent céleste est arrivée dans l'histoire providentielle. Et chaque nation et chaque continent a son chemin unique de restauration. Les 7 premières nations à avoir achevé leur chemin l'ont fait au cours des 7 années qui ont suivi la sainte ascension de vrai Père en 2012. Dieu a recréé ces 7 nations en tant que nation céleste. Sur la base de la victoire substantielle de 7 nations célestes et d'un continent céleste, nous sommes arrivés au jour historique où, rempli de détermination, nous pouvons nous mettre en route pour atteindre l'objectif final de notre voyage, qui est un monde céleste unifié. Les États-Unis sont une nation chrétienne sur un continent guidé par l'Esprit. Permettez-moi d'expliquer son parcours pour devenir une nation céleste. Les chemins du christianisme et des États-Unis sont entrelacés. L'Empire romain a légalisé le christianisme en 313 de notre ère.
de la péninsule italienne, le christianisme a progressé à travers le continent européen jusqu'aux îles britanniques où il s'est développé. Mais au cours des millénaires suivants, la Grande-Bretagne a perdu la capacité de pratiquer les enseignements de Jésus pour aimer son prochain comme soi-même. Elle a placé le monarque comme dirigeant de l'Église et a créé un monopole d'État sur la région. Au 16e siècle, la Grande-Bretagne gagnait en puissance, mais elle réprimait de nouveaux disciples sincères de Jésus. La providence de Dieu ne pouvait plus s'y développer et elle s'est déplacée vers l'ouest, vers les Puritains qui ont bravé le difficile océan traite à la recherche de la liberté religieuse. Les États-Unis que nous voyons aujourd'hui sont nés de ces chrétiens sacrificiels. Comme je l'ai déjà dit en juillet 1984, le gouvernement américain a envoyé le révérend Moon en prison, comme c'était le cas en Corée du Nord et en Corée du Sud. Des décennies auparavant, c'était une histoire de communistes et de chrétiens ignorants, trouvant un but commun en s'opposant à l'œuvre de Dieu par l'intermédiaire de vrais parents. Heureusement, de nombreux chrétiens et dirigeants politiques américains impartiaux, également de gauche et de droite, se sont prononcés contre l'emprisonnement de Reverend Moon. Certains ministres ont défilé en signe de protestation et ont installé des cellules de prison de torture derrière la Maison Blanche. Les gens de vertu au sein du gouvernement américain, des médias et du clergé ont dénoncé l'emprisonnement du révérend Moon comme une attaque flagrante contre la liberté religieuse. Au cours des 3 années qui ont suivi la libération du révérend Moon de Danbury, nous avons parrainé 7000 membres du clergé pour qu'ils se rendent en Corée et au Japon pour la conférence interconfessionnelle avancée pour le clergé. L'année suivante, le CLC a organisé la tournée de conférences Winston dans 50 États, au cours de laquelle mon mari et moi avons déclaré, église après église, la vérité de Jésus et de vrais parents. Et sur la base de ces œuvres et d'autres au cours de la décennie suivante, lors d'une grande réunion de la CLC à Las Vegas en 2015, j'ai proclamé pour la première fois, je suis venu comme la fille unique pour Dieu et l'humanité. Réalisons ensemble la volonté de Dieu. Les ministres ont accueilli mes paroles avec des acclamations. Pourquoi n'avons-nous pas connu cette vérité jusqu'à présent? On dit, certains d'entre eux, pourquoi ce fait évident ne nous a jamais traversé l'esprit? Merci. Aujourd'hui, étudions le discours de la vraie mère inaugurale WCLC. Le 28 décembre 2019. S'il te plaît. Je veux croire en vous, les membres du clergé qui se sont rassemblés ici, de partout dans le monde en particulier. Vous êtes le peuple juste préparé par le ciel à cette époque. Quelle est la mission des justes? Vous devrez être capable d'embrasser la nation et le monde avec un véritable amour vivant pour le bien des autres, au lieu de vivre uniquement pour vous-même. C'est ce que fait la vraie mère, la fille unique. Je guide des personnes déchues à devenir les enfants de parents célestes par la bénédiction. Vous devez savoir que c'est l'espoir et le rêve tant attendu de l'humanité depuis 6000 ans. Et c'est aussi le désir de notre parent céleste. La vraie mère, la fille unique, guide une nouvelle ère et une nouvelle providence. C'est la 2e année de Chang'an-gu. Maintenant, vous devez prendre les devants. Lorsque nous pensons aux 7,6 milliards de personnes dans le monde, nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les enfants que le parent céleste veut embrasser. J'espère sincèrement que vous deviendrez les gens justes, les ecclésiastiques et les femmes du clergé et les dirigeants qui peuvent guider les gens à devenir des enfants de parents célestes dans les plus brefs délais.
Ce faisant, rappelez-vous que la fondation de la Conférence mondiale sur le leadership du clergy, qui amènera vos fondements individuels à l'unité, est le moyen de réaliser le rêve du parent céleste et l'espoir de l'humanité dans les plus brefs délais. Je prie pour que vous deveniez tous les justes et le clergy qui se tient à l'avant-garde et que vous ne regardiez pas en arrière, mais que vous couriez en avant. Merci. Étudions aujourd'hui et aussi après-demain beaucoup plus la parole de le discours de notre mère, donc le contenu du discours de notre mère. Nous allons continuer à étudier le contenu de mémoire de notre mère. Le principe divin, caractéristique duel de nature interne et forme interne. Donc, le principe de la création. S'il te plaît, il existe une autre aide de caractéristiques duelles qui est encore plus fondamentale pour l'existence. Chaque entité possède à la fois une forme extérieure et une qualité intérieure. La forme visible extérieure ressemble à la qualité invisible intérieure. La qualité intérieure, quoique invisible, possède une certaine structure qui est manifestée visiblement dans sa forme particulière extérieure. La qualité intérieure est appelée nature interne et la forme ou figure extérieure est appelée forme externe. Puisque la nature intérieure et la forme extérieure font référence aux aspects intérieurs et extérieurs, correspondant à la même entité, la forme extérieure peut être comprise comme une seconde nature intérieure. Par conséquent, la nature interne et la forme externe forment ensemble les caractéristiques duelles. Merci, Heavenly Heart. Plus fondamentalement, cependant, chaque entité possède à la fois une forme extérieure et une qualité intérieure. La forme extérieure visible ressemble à la qualité intérieure invisible. La qualité intérieure est appelée nature interne et la forme extérieure est appelée forme externe. Donc, basé sur ce contenu du principe d'humain, j'aimerais partager certains contenus. Les êtres humains visibles sont des êtres qui ressemblent à la nature du Dieu invisible. Pour étudier la nature invisible de Dieu, vous pouvez les découvrir en observant les 12 types représentatifs d'humains. Et si vous voulez aimer Dieu, vous devez être capable d'aimer tous les 12 types représentatifs d'êtres humains, afin que vous puissiez devenir une bonne personne et devenir comme Dieu. Tout comme une année a 4 saisons et 12 mois, il existe 4 types de personnes dans le monde humain et plus précisément 12 types de personnes. Jacob avait 12 fils et Jésus avait 12 disciples. Centré sur les vrais parents, il y a 12 disciples représentant l'âge de l'Ancien Testament, 12 disciples représentant l'âge du Nouveau Testament et 12 disciples représentant l'âge du Testament achevé. C'était parce qu'ils étaient le type de personnes qui représentaient la race très humaine. Quatre méthodes de recherche sur l'homme. Un homme au tempérament chaud, bileux, mélancolique et phlegmatique. Beaucoup jugent par ce quatre caractères. Il est possible de connaître une personne Sun-san en regardant son apparent extérieur Hyung-san, en utilisant la physionomie, etc. Cela est possible parce que
le corps d'une personne ressemble à son esprit. Ainsi, en recherchant son corps, il est possible de découvrir le monde de l'esprit. Ebony Honey, s'il te plaît, lis la parole de notre Père basée sur ce contenu. Une personne avec de grandes extrémités. Les personnes aux grandes extrémités doivent beaucoup souffrir. Que dites-vous quand quelqu'un a de grands pieds? Voleur. Si vous avez les grands pieds, ils disent que vous avez les pieds d'un voleur. Naturellement, vous devez beaucoup vous promener. Vous devez marcher beaucoup. Afin d'avoir une vie stable, vous devez marcher beaucoup. Nous pouvons le savoir simplement en regardant les pieds. Ceux qui doivent beaucoup travailler ont de grandes mains. C'est ainsi que les choses se sont faites. Des gens comme moi deviennent des experts sur ce sujet. Je sais juste en regardant. Ah, cette personne, elle a souffert et a fait beaucoup de travail difficile. Il est facile de savoir que cette personne va dans un village, attrape et mange une vache et se sent bien en buvant un verre d'alcool. C'est pourquoi quand je vous suggère un match, je regarde toutes ces choses. Par conséquent, si je recevais 100 millions de wons par paire, quelle serait la richesse de la Corée? Yeah. Thank you. You know, my Merci. Hand is very kind of normal. Donc, mes mains sont un peu très chaleureuses. Donc, mon physique est grand. Pas très grand, mais c'est un peu plus grand que les personnes normales. Donc, j'ai réalisé que je dois travailler dur. Je dois aller à travers le monde. J'ai compris à travers les paroles de notre Père. Ça, c'est ma destinée. Lorsque je regarde mon avis passé, vraiment, je suis allé partout. Pas juste aller s'asseoir sur la chaise devant les gens. J'aime visiter les membres. J'aime visiter les nations et cités par cité. Et j'ai compris à travers les paroles des vrais parents que Dieu connaît déjà ma destinée. Je dois travailler beaucoup, durement. 9 types de sagesse pour connaître les gens. S'il te plaît, Hon. Confucius a dit, en général, l'esprit des gens est plus rude que les montagnes et les ruisseaux et est plus difficile à connaître que les cieux. Dans les cieux, il y a des saisons du printemps, de l'été, de l'automne et de l'hiver, ainsi que la distinction du matin et du soir. Mais le visage et les émotions profondes d'une personne rendent difficile de les reconnaître. Notre père dit, il a étudié pendant les années comment juger les gens. Parce que notre maître aime cette personne, il connaît l'arrière spirituel de cette personne, ses ancêtres. Donc, la raison que nous étudions les gens, pour connaître différentes personnalités, afin de faire de bonnes relations avec une personne, nous devons connaître la personne très bien. Donc, la raison qu'on étudie une personne n'est pas pour étudier ou utiliser cette personne. Ce n'est pas que ce soit reçu par d'autres. Donc, on étudie les gens pour les aider beaucoup plus et de les aimer plus parce que chaque personne a un caractère différent qui est unique. Donc, pour se relier avec ces gens correctement, je dois étudier, comprendre comment je peux aimer ou bien comment je peux les aider plus, comment je peux livrer pour eux beaucoup plus. Ça, c'est le but principal. Donc, les gens utilisent seulement le moyen extérieur pour juger les gens. Ce n'est pas grand, ce n'est pas bien. Nous devons lire l'esprit des autres. Nous devons lire l'esprit des autres très, très précieusement, donc les parents, les enfants. Pour le faire, vous devez connaître l'âme de la personne. Ne jugez pas les gens facilement.
si vous vivez pour les autres avec un cœur parental et d'amour, vous allez comprendre les gens. Comment connaître les gens? Il y a plusieurs qualités de raisons pour connaître les gens. Je peux étudier toutes choses. Si vous savez quelle est ma conclusion, la meilleure manière pour connaître les gens, ça c'est ma conclusion. Après avoir fait des recherches et étudié, donc nous te perds particulièrement à étudier pour connaître le caractère de quelqu'un à travers l'apparence extérieure. Ça c'est mon témoignage personnel à mes frères et sœurs. Quelle est la meilleure façon de connaître quelqu'un, quel que soit, quel genre de personne tu es? Donc tu es chaud, grand, gentil. Ce n'est pas là le problème. Quelle est la meilleure manière de connaître les gens? Lorsque vous servez vraiment quelqu'un avec un cœur parental, c'est le meilleur moyen de connaître les gens. Deuxièmement, lorsque vous aimez quelqu'un vraiment, vraiment, du plus profond de votre cœur, pas un préjugement de nationalité, n'importe quelle nationalité, n'importe quelle philosophie, mais barrière nationale. Vous devez aimer quelqu'un avec tout. Même si quelqu'un veut abuser de vous, vous a triché, des fois vous avez peut-être blessé, mais lorsque vous avez un cœur d'amour, c'est la meilleure façon de connaître le caractère d'une personne. Lorsque vous servez quelqu'un sincèrement, vous savez quel genre de personne est il ou elle est. Comment puis-je l'aimer? Comment puis-je traiter avec elle? J'apprends de nos vrais parents, même s'il a étudié de façon externe. Le plus important, c'est notre attitude intérieure. La sagesse pour connaître les gens. Une personne dont l'apparence semble honnête, mais a un esprit sournois. Vous en comprenez? Sournois? Ça veut dire quelqu'un qui est sournois. Ceux qui semblent être des adultes, mais qui sont mauvais à l'intérieur. Ceux qui semblent être faciles à vivre, mais qui sont des gens intègres. Ceux qui semblent travailler dur, mais qui sont en fait paresseux. Ceux qui semblent généreux, mais sont impatients. Et de plus, ceux qui cherchent la justice, mais courent boire de l'eau pour étancher leurs désirs, abandonnent la justice lorsqu'une situation difficile approche. Quand une personne vertueuse embauche quelqu'un, quel type de personne est-ce que je devrais embaucher selon les standards d'une personne vertueuse? C'est également, beaucoup de gens utilisent cette méthode. Ils les envoient faire une course lointaine pour observer leur loyauté. Ils observent leur respect de près. Assigne une tâche compliquée pour voir leur capacité. Pose des questions à l'improviste pour voir leur sagesse. Prends un rendez-vous d'urgence pour voir leur crédibilité. Confie une possession pour voir leur bienveillance. Leur parle d'une crise pour voir leur intégrité. Les rend ivres et voit leur modération. Les met en contact avec le sexe opposé pour observer leur comportement. En rassemblant ces 9 résultats, il est possible d'enquêter sur les gens. Alors, nous pouvons apprendre quelque chose, mes frères et sœurs. Je peux partager davantage demain. Aujourd'hui, le ministère de la Jeunesse pour aujourd'hui, la bonne compréhension de la valeur de la douleur.
C'est très important. La bonne compréhension de la valeur de la douleur. Dans la Bible, il n'y a aucune mention du cœur de Jésus pour Dieu quand il est mort sur la croix. Quand Jésus est mort, les événements extérieurs tels que la perte du soleil, le tremblement de terre ne sont rien de spécial. Quand Dieu a vu son Fils unique qu'il a envoyé après 4000 ans, mourir sans avoir accompli la volonté, son cœur, en un mot, aurait été dans un état de mort. Vous savez, beaucoup de gens parlent de la croix de Jésus. Beaucoup de gens sympathisent avec la croix de Jésus. Beaucoup de gens pleurent et versent des larmes lorsqu'ils regardent la souffrance de Jésus à la croix, sur la croix. Mais personne, pas de pasteur, ne parle du cœur de Dieu, de la douleur de Dieu pour Jésus lorsqu'il est mort sur la croix. Pouvez-vous imaginer ceci? Le Père Céleste, combien il a attendu longtemps pour envoyer son Fils unique sur terre. Selon l'histoire de la Bible, Dieu a attendu pendant 4000 ans, mais en réalité, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. Il a attendu et attendu et attendu et attendu. Et finalement, le parent céleste a dit qu'il a pu envoyer son Fils unique sur la terre parce qu'il n'y a pas de fondement pour lui pour qu'il puisse survivre. Beaucoup de gens n'ont pas cru en lui, l'ont persécuté, lui ont fait mal et finalement, il a été crucifié. Lorsque notre Père céleste regarde cette situation, lorsqu'il voit son propre Fils unique, qui était le Messie, il est le Fils unique de Dieu. Lorsque notre Père céleste a vu son Fils unique qu'il a préparé pour 4000 ans et qui est mort sur la croix, saignant sur sa tête, dans ses deux mains, ses deux jambes, saignant de sa poitrine. Oh mon Dieu! Pouvez-vous imaginer la douleur de Dieu, la tristesse de Dieu, le cœur de Dieu et la douleur de Dieu est plus grande que celle de Jésus. Est-ce que vous pouvez imaginer ceci? Combien il pleure. La Bible ne mentionne rien au sujet de la douleur de Dieu à ce sujet. Toutefois, notre vrai Père a découvert qu'il a découvert ce cœur. Alors, quelle était la douleur de Dieu lorsqu'il a perdu Adam, son fils unique? Lorsqu'il a perdu Adam, son fils unique, l'univers de Dieu a été sombre. Le fait que le soleil ne pouvait pas briller signifiait que Dieu ne pouvait pas faire briller sa lumière et qu'il entrait au milieu des ténèbres totales. Il n'y avait ni paix ni joie et il n'y avait que des gémissements. Vous imaginez, la Bible n'a pas mentionné adéquatement les larmes de Dieu, la tristesse de Dieu, sa douleur. Lorsque nous lisons la Bible dans la Genèse,
C'est seulement une simple histoire, mais notre Père a découvert la douleur de Dieu et sa tristesse à travers la famille d'Adam. C'est pourquoi nous devons comprendre correctement quelle est la signification de cette douleur. Pourquoi les êtres humains doivent traverser cette souffrance et cette difficulté. C'est pourquoi lorsque nous comprenons clairement la douleur de Dieu et le cœur de Dieu, alors nous pouvons tout comprendre. Comment Abraham a-t-il pu surmonter ces trois douleurs majeures? Il n'est pas tombé dans un endroit sombre, mais il a plutôt vaincu au centre de son espoir. Le cœur soulagé de Dieu, son cœur inquiet et son désir de louange auraient été là. Dans la Genèse 22, chapitre 11, versets 11 et 12, lorsqu'Abraham a tenté d'offrir son propre fils bien-aimé Isaac au ciel, son propre seul fils au ciel, lorsqu'il a vraiment voulu tuer son fils, et un ange est apparu au nom de Dieu. L'ange de Dieu a crié, « Abraham, Abraham! » Abraham a dit, « Oui, je suis ici. » Il a répondu, « Ne fais pas de mal au garçon, ou ne lui fais aucun mal d'aucune façon. Maintenant, je sais, l'ange de Dieu a dit, maintenant je sais que tu obéis vraiment à Dieu parce que tu étais prêt à offrir ton propre fils, ton fils unique. Le moment de la réussite du sacrifice d'Isaac était le moment où la relation éternelle parent-enfant entre Dieu et Abraham. C'est le moment où toute la douleur est devenue une source d'espoir. Si la souffrance finit comme la souffrance, c'est un problème. Vous savez, toute la douleur change en de l'espoir. C'est ça le point, mes frères et sœurs. Pourquoi Abraham était si grand? Pas simplement qu'il a souffert, qu'il a surmonté. Toute sa douleur devient un espoir. Le chemin de la foi sur lequel nous marchons répète toujours la douleur et la tentation. C'est parce que la tentation vient après avoir gagné sur la douleur et la douleur vient après avoir gagné sur la tentation. Ces chemins se précipitent comme de l'eau sur le chemin de notre foi. Quand la douleur passe, la tentation apparaît. Quand la tentation passe, c'est la douleur qui apparaît encore. Alors, pourquoi cette tentation et cette douleur reviennent-ils encore et encore? À travers ces douleurs et ces tentations, j'ai pour but de grandir et d'hériter de l'amour qui peut devenir un avec le parent céleste. Par conséquent, nous devons saisir correctement la valeur et faire face à la douleur qui vient à nous. C'est très important, mes frères et sœurs. Quel est le but de cette douleur? Pourquoi la douleur et la tentation viennent à moi tout le temps? Quelle est la raison principale? C'est très clairement mentionné ici. Laissez-moi grandir. Laissez-moi hériter de l'amour de Dieu. Laissez-moi construire ma relation entre Dieu et moi-même et devenir de plus en plus proche. Lorsque nous faisons face à la douleur
il est souvent facile de se fatiguer. Et si nous pensons que la douleur est dans le but de l'expiation de mes péchés, même si nous pensons que la douleur est la séparation, elle est difficile à surmonter. Cependant, si je grandis et supporte la douleur afin d'établir une relation parent-enfant avec le parent céleste et les vrais parents, ma piété filiale jaillira et mon amour sera plus abondant. La victoire de la souffrance devient une opportunité d'établir une relation parent-enfant comme Dieu et Abraham. Lorsque Abraham surmonte sa douleur à travers l'offrande de son propre fils Isaac, lorsqu'il a eu une victoire dans cette condition en surmontant sa douleur, c'était le moment de construire une relation parent-enfant entre Dieu et lui-même. Jésus a établi la valeur éternelle en gagnant sur la souffrance de la croix avec amour. En même temps, sur la base de la victoire du monde physique et spirituel, il a réalisé que tous les êtres humains peuvent bénéficier du salut spirituel. Bien que la douleur extérieure et physique que Jésus a subie ait été au-delà de notre imagination, intérieurement, la douleur est transcendée en une douleur qui a donné de l'espoir à l'humanité. Par conséquent, c'est devenu un espoir pour l'humanité. Notre Jésus, lorsqu'il était crucifié sur la croix, il a surmonté tout par l'amour vrai. Même il a pardonné son ennemi. Il a prié pour Dieu. La Bible n'a pas mentionné clairement, mais il s'est inquiété du cœur de Dieu. Si je meurs, Père céleste, tu as besoin d'un autre 6000 ans pour envoyer un autre Messie. Il s'est inquiété de Dieu. Il s'est inquiété du cœur de Dieu. Mais en surmontant avec cette piété filiale et ce cœur, et il a même pardonné ses ennemis à la fin, ceci est vraiment une condition d'une très grande dimension pour la résurrection et qui a donné un espoir incroyable à toute l'humanité. Il a surmonté la douleur par son amour. C'est pourquoi Jésus était le champion de l'amour vrai. Par conséquent, bien que nous souffrions extérieurement, nous devrions être en mesure d'avoir la foi que ce moment est un moment d'espoir. Est-ce que vous croyez ceci? Lorsque vous faites face à des difficultés et que vous souffrez, est-ce que vous pensez que ce moment est un moment plein d'espoir? Abraham a surmonté. Jésus a surmonté. Lorsque vous avez eu une condition de victoire en surmontant la douleur, ce moment était vraiment un moment rempli d'espoir. Que vous atteigniez la déception ou l'espoir après avoir souffert dépend de si vous y croyez ou si vous vous méfiez d'elle. Le monde spirituel examine les croyants avec des épreuves et de la douleur. Il vérifie si la personne est vraiment vraie ou non, si la personne possède vraiment sa propre vie ou si elle est toujours centrée sur la lignée physique.
Du point de vue extérieur, la croix de Jésus semblait avoir affaibli la capacité de Dieu, ressemblait à une croix de la mort. Mais d'un point de vue intérieur, il y avait la vie éternelle qui pouvait sauver l'humanité. De cette façon, lorsque nous souffrons, bien que nous semblions impuissants et petits et que nous semblions souffrir des choses que seuls les échecs souffrent, cela devient plutôt un lieu où nous rencontrons Dieu. Nous pouvons en faire l'expérience à travers la croix de Jésus. Nous devrions savoir qu'Abraham et Jésus ont formé une relation inséparable avec Dieu par la douleur et la croix et ont créé une occasion de recevoir des bénédictions éternelles. Mes frères et sœurs, est-ce que je vois de l'espoir dans ma souffrance? Ou voyez-vous le désespoir? Abraham a rencontré Dieu à travers sa souffrance. Il a aussi ému Dieu et laissé un espoir. Jésus a également vaincu la croix et a laissé l'espoir pour l'humanité. Dans la douleur, il y a toujours de l'espoir. Mes frères et sœurs, encore, je répète, dans la douleur, il y a toujours de l'espoir. Dieu ne donne jamais de douleur sans raison. Par conséquent, croyez que cette douleur est là pour me donner de l'espoir. Croyez que cette douleur est une douleur pour rencontrer Dieu. Croyez que cette douleur est pour moi dans le but de grandir. Quand la souffrance ne se termine que par la souffrance, c'est le désespoir. Et j'ai subi un échec. Par conséquent, nous devons être victorieux dans n'importe quelle situation, croyant que la souffrance est une souffrance qui donne l'espoir. Là où il y a la souffrance, il y a l'espoir. L'espoir m'attend. C'est pourquoi, dans toute situation difficile ou dans toute situation de douleur, ne soyez pas déçus. Il y a une raison pourquoi cette souffrance vient à vous. Il y a une raison. Elle me demande de grandir. Elle me demande de construire une relation parent-enfant éternelle entre Dieu et moi-même, comme Abraham et Dieu, comme entre Jésus et Dieu, comme entre notre vrai Père et notre Saint Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui, je vous dis, la compréhension correcte de la valeur de la douleur, si vous comprenez clairement la compréhension correcte de la valeur de la douleur n'est pas seulement la douleur. La souffrance n'est pas seulement la souffrance. Il y a un grand espoir, mes frères et sœurs. Merci beaucoup. Merci, Dr. Young, de nous avoir donné cet aperçu dans la valeur de la douleur. Lorsque j'étais jeune, nous étions dans les cadets et il n'y avait toujours pas de douleur, pas de gain. Et là, maintenant, vous avez dit pas de douleur, pas de cause. Alors, prenons les prochaines minutes pour digérer ce que nous avons appris et puis nous reviendrons pour partager les uns avec les autres.
Bon retour tout le monde. Bon retour. Je vois les peelings, les bons mains. Je vois tout le monde. J'ai un merveilleux moment avec le couple Amasaka et Keiko Aguilar. Keiko avait tellement partagé, j'aimerais l'appeler à partager avec nous ses réflexions de la dévotion matinale d'aujourd'hui. Bonjour, frères et sœurs. J'espère que je peux exprimer ma reconnaissance en anglais. Très bien, j'espère. Ce que je retiens, c'est deux points. Premièrement, le Dr. Young nous a dit les 12 types de personnes ici, et je me rappelle les 12 types de portes pour entrer le ciel, nous devons, à travers lesquelles nous devons passer. Et aussi, je ressens que pour moi, des fois, je ressens, je n'aime pas tel ce genre de personne, et je réfléchis. Mais Dr. Young a dit, nous devons servir avec un cœur de parent, et que si nous continuons avec cette approche, nous pouvons voir l'intérieur de ces gens et nous comprendrons que leur nature intérieure que Dieu leur a donnée et que si nous faisons ceci, c'est facile de les comprendre et nous pouvons les aimer avec Dieu. C'est mon point. Et mon second point est que je ressens une douleur. Je passe je la laisse dans mon passé. Et je ressens que ma situation douloureuse toujours sombre et je ressens des fois intérieurement comme un gouffre profond. Je pleure plusieurs fois pendant longtemps. Et ensuite, je ressens que notre Père, mon Père Céleste, s'il me voit, je me sens si mal qu'il pleure ensemble avec moi. Et il se sent si triste pour moi. Je suis triste pour mon Père Céleste. Et cette ère, Dr. Young, il nous a enseigné que si nous avons de la gratitude et aussi que ma situation, ma triste situation, mes sentiments, viens aussi avec mes ancêtres et les gens qui sont les personnes spirituelles n'ont pu se libérer de ce sentiment. Mais si je suis reconnaissant, et je peux être reconnaissant, ces personnes qui me regardent, elle a fait, elle a réussi, elle est reconnaissante. Et même si nous ne pouvons pas être reconnaissants, ils peuvent être libérés. Et tout au moins, je peux une partie de la douleur de Dieu, je peux surmonter.
et je peux donner de l'espoir à Dieu que ces situations douloureuses peuvent être changées en situation d'espoir. Et que ce que je retiens, ce sont son deux points aujourd'hui. Merci beaucoup. Wow, merci beaucoup. Votre partage si profond, si intérieur. Merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Wow, merci Keiko-san pour ce partage si profond. Maintenant, j'aimerais demander à quelqu'un d'autre du siège social, Sunmi Or. Bonjour tout le monde. J'ai une confession. C'est la première fois que je me joins en live. Je suis dans une salle de partage avec Dr. Young. Alors ça, c'était vraiment spécial. Mais c'est vraiment merveilleux de voir tout le monde. Je reçois des messages de mon équipe de Caroline du Sud, là où j'ai grandi. On a eu un merveilleux frère, c'était William, je pense, de la Jamaïque, qui a partagé très profondément. Et je me sens un peu coupable pour être la personne qui partage, parce qu'il avait vraiment des points merveilleux. Alors, honnêtement, Dr. Young m'a demandé qu'est-ce qui m'a inspiré à joindre ce matin. J'ai dit l'intervention divine. Je me suis réveillé à 6 heures. Sanwa Reiner, ça fait longtemps, ça fait pendant 40 jours qu'elle s'est joint. Et j'ai dit, je me suis senti inspiré. Alors, c'était intéressant parce que je pense que Dieu avait besoin de me dire ceci au sujet de la souffrance et que la douleur, la souffrance et la douleur, ce n'est pas seulement pour la souffrance et la douleur qu'il y a vraiment de l'espoir de l'autre côté. Pour beaucoup, Shizuka, vous avez travaillé avec le staff du 24+, spécialement pour les sœurs plus âgées qui ont des bénédictions qui n'ont pas marché, qui veulent encore construire une famille. Ça peut être très douloureux de traverser ce processus, de trouver quelqu'un, c'est douloureux. Alors, pourquoi est-ce que je dois souffrir quelque chose autant pour quelque chose que Dieu désire également? Mais ce qui me réconforte, c'est que Dieu est toujours là avec moi. Je me rappelle, je pensais à ceci l'autre jour, que toute souffrance que je traverse, que Dieu la ressent des milliers, peut-être des millions de fois, spécialement derrière-bas. Je prie à notre Mère Céleste et il y a un réconfort une chaleur que je encore ressens quand on prie à notre Mère Céleste, c'est beaucoup plus tranquille, c'est il y a moins de voix, c'est plus tranquille, c'est plus un sentiment, c'est plus chaleureux, oui. C'est très beau, Sammy. J'espère que tu te joindras très souvent, pas seulement quelques fois. Okay. Merci Sanmi, je suis très heureux de te voir ce matin. Merci d'avoir partagé avec nous tes réflexions. C'est très touchant. Alors, frères et sœurs, alors on nous annonce, aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Premièrement et avant tout, voilà, joyeuse fête de l'Action de grâce, tout le monde. J'espère que vous êtes prêts. Je sais que certaines des personnes avec nous ont dû se préparer toute la semaine pour aujourd'hui. Nous savons qu'aujourd'hui, c'est le jour de l'Action de grâce, où que vous soyez. Et si vous vous sentez inspiré, souhaitez-vous libre d'inviter des gens à vous joindre l'expérience des gens qui se joignent pour la première fois. C'est une expérience immersive. Le vidéo, l'audio est meilleur. Vous voyez cet écran tout le temps. Vous pouvez joindre ceci en allant à edu.familyfed.org. Vous verrez aussi des bébés à l'écran. À chaque fois, je vois une petite tête d'aide sur l'enfant Payling. Si vous voulez inspirer à donner, alors envoyez le lien dans le chat pour donner au ministère de la dévotion matinale. C'est un temps d'action de grâce. Alors, si vous voulez remercier Dr. Young pour cette motivation, sentez-vous bien à l'aise de cliquer sur le lien et de faire un don ou vérifier la description sur YouTube ou Facebook. Il doit y avoir le lien pour donner ou pour soutenir ce ministère. Maintenant, notre programme musical aujourd'hui, c'est spécial.
spécial. Alors, tout comme aussi spécial que ce soit, nous avons une spéciale de Heavenly USA, d'Atlanta.
Wow! Bravo, bravo! Your voice bravo. Already reached to votre heaven. Voix vraiment thank atteint you le ciel. Our merci beaucoup. USA notre Heavenly, l'équipe de Heavenly USA. Happy, bonne happy. Journée de l'action de grâce. Thanksgiving Day. Thank you. Joyeuse action de grâce. Merci beaucoup. Thank you, Heavenly USA. Just like Dr. Young merci, said, Heavenly think USA, your voice already Dr. reached Young the heavens. Votre voix vraiment thank you for atteint offering, le ciel. Offering this beautiful song today. Merci d'avoir offert. Brothers and sisters, to close us off today, I'd like to invite up again a special pour terminer to a mother figure of mine, Mercy Charlie. Mercy Charlie, if you could please and, unmute. Mercy Charlie pour prier. Okay, let us pray. Prions. Most beloved heavenly parents, parents of heaven and earth, parents du ciel, de la terre, de l'humanité. Heavenly parents, we greet you this parents morning. Céleste, nous vous so much that aujourd'hui, you avec have revealed to us through the reconnaissance de pour ce que nous avez révélé par Dr. Young. Parents célestes, lorsque nous nous regardons soi-même, nous devons penser deux fois. Nous devons voir vraiment ce que nous faisons. Et à travers votre guidance, Père Céleste, nous voulons nous transformer en vos enfants. Et votre Père, aujourd'hui, c'est une journée de reconnaissance, d'action de grâce. Tout chaque jour, nous remercions. Mais aujourd'hui, c'est vraiment spécial parce que tellement de gens ont sacrifié leur vie afin de célébrer la journée de l'action de grâce aujourd'hui. Nous prions vraiment pour ceux qui sont allés devant nous, que nous, ensemble, qui sommes ici sur la terre, pouvons améliorer la situation pour les générations futures qui nous suivront. Allons, lorsque nous terminons cette journée aujourd'hui, nous voulons continuer à penser à ce que tu nous avais enseigné aujourd'hui. Nous sommes venus pour découvrir votre cœur qui souffre et nous en sommes venus à savoir qu'est-ce que vos choses de la création. Nous sommes vraiment reconnaissants pour que chaque jour nous puissions se transformer soi-même pour être plus près de vous, afin que nous soyons capables de dissoudre les douleurs que vous avez vécues pendant des milliers et des millions d'années. À travers nos vrais parents, nous sommes où nous sommes aujourd'hui avec la bénédiction que vous nous avez donnée. Alors aujourd'hui, parents célestes, encore une fois, nous vous disons merci pour les nombreuses bénédictions que vous nous donnez. Nous voulons rapporter ceci, offrir cette nouvelle journée, toutes les choses en chacun de nos noms, en tant que tous les frères et sœurs ici présents. Merci Edmund Charlie, famille bénie centrale, Adjou. Merci pour votre prière qui est très, très belle. Merci beaucoup. Merci pour cette offrande, cette merveilleuse prière pour terminer. Frères et sœurs, j'espère que si vous célébrez cette merveilleuse journée de reconnaissance. Nous verrons demain à 6 heures. Merci et bonne journée de l'action de grâce. Merci, Dr. Young.